Salut à tous, c'est Seven Cell Cabal, on se retrouve pour l'épisode numéro 7 sur The Witcher 3. Donc la fois dernière, on avait fait surtout des points d'interrogation. Et du coup, cette fois-ci, on va faire, on va dire, pareil. On va parler du fils du forgeron de l'exploré. Qui chassait non loin pour lui poser des questions. Comme il s'est pas laissé faire, ils m'ont coupé la tête. Oui, j'ai entendu ça. Sauf que c'était un noyeur qui avait boulotté le petit. Le sorceleur n'avait rien à voir là-dedans. Comment ont réagi les gens? Bah, c'est pas comme s'ils pouvaient lui repoudre la tête. Il paraît qu'ils ont déposé le corps en secret dans une crypte. Oui? D'accord. Donc en fait, je pense qu'on peut avoir des quêtes comme ça en se baladant. Et donc apparemment, il y a un corps qui a été déposé dans une crypte. D'après ce que j'ai compris. Je vais monter vite fait ici pour voir s'il y a pas un truc. Il me laisserait fouiller comme ça. Ah oui, il s'en bat les couilles. Hop. Alors ça sera un épisode, on va pas dire plus court que d'habitude, ou on va dire qu'il devrait faire aux alentours de 35 minutes, j'espère. Hop, il s'en fout aussi. Oh, il y a un coffre. Écarte-toi. Il y a un coffre, mais que dalle devant. C'est super. Vous allez le regretter. Ok. C'est tout. Hop. Je vais manger du poisson. Et je vais passer vite fait ici parce que c'est vrai que c'est des baraques que je n'ai pas fouillées. Et vu qu'il n'y en a qu'une seule, je pense que ça va pas prendre bien longtemps. Hop. Voilà, j'ai bien fait de la fouiller. Il y a un autre coffre ici. Tac, il y a une autre pièce ici. Sauf que dans cette pièce, il n'y a rien. D'accord, bon ben voilà. Ben, pour ceux qui veulent, c'est une bonne adresse ici, il y avait pas mal de trucs. Je dis pas que tout est utile. Certainement loin de là, mais... Comment on va attendre ici, moche. C'est ça. C'est... Ici, non, je suis d'accord. Alors, on va se remettre en selle, entre guillemets. Et puis, on va aller ici. Aller ici, ça me semble être un bon endroit. On va prendre le dada pour aller un peu plus vite. Je craste changement fou. Où est-ce que tu es là? J'ai eu des choix, d'accord. Allez. Du nerf, Abel. D'accord. Donc, ici, on va éviter. Pour pas dire de bêtises, il me semble que c'est ici qu'il y a le butin. Le butin, comment ça s'appelle, butin témérien, voilà, c'est ça. Un site d'énergie. Je devrais y puiser. Je vais juste sauvegarder. Dev bien dev. Faut que je prenne ça. Oh, vite! Raphaël choisit! Mal un cochon. D'accord. Ok, donc toi tu rigoles pas, tu rigoles zéro toi.
plus il m'a flouté le... Ah oui, niveau 7 quand même. Wop, putain de merde. D'accord, en fait il se fout de ma gueule, mais littéralement quoi. Non, stop, Marco. T'es parti ou... Comment ça se passe? Hop. Bizarre. 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 Alors, je vais faire Fire Garden, c'est ça, je crois. Oh. Ça donne pas trop envie d'aller dedans, quoi. Leur cacher. Pour faire s'enfermer. Oh sa mère. Allez, approche. J'ai plus rien à manger en plus. Oui, je l'ai enchaîné, de toute façon j'avais pas trop le choix, c'était soit ça, soit je crevais, donc tac, donc apparemment ici il y a un trésor. J'espère, j'espère aussi qu'il y aura de la bouffe parce que je n'ai plus rien du tout. Épée longue. Ça a l'air d'être une épée un peu de dingue. Je vais allumer tout, on sait jamais, des fois que ça déclenche un truc et tout. Oh. Oh. Raphaël, on dirait que t'as bien fait de venir ici. Chasse au trésor, équipement de l'école de la Vipère. Tu peux l'allumer ou comment ça se passe? Et tu peux l'allumer. Tu ne veux pas l'allumer, d'accord. Et si j'utilise directement ça? Non, ça ne fonctionne pas. Ok. Bon, y a absolument plus rien. On va faire un tour des horizons. Il y a encore un truc ici. Ouais, j'allais partir sans ça quand même. Et voilà, je pense qu'on a tout fait. Un site d'énergie. Devrait épuiser. Je l'ai pas. D'accord, je l'avais pas fait. Donc hop, on a calme. Ah, il y a une lumière ici. Qu'est-ce que ça signifie? La dépouille mortelle de Florian 1, mort sans descendant dans la fleur de l'âge, frappé d'apoplexie en pleine chasse. Puis c'est nous, on lui pardonne tous ces péchés, je ne sais quoi. Hop! Donc on va regarder un peu la map. Puis c'était une bonne petite aventure, je m'attendais pas à trouver ça ici. Et en fin de compte, si.
Je sais pas trop où aller ensuite. On va aller là-bas, mais j'ai peur que ça soit un nid de ghouls ou des trucs comme ça. Ah ouais, mais faudrait peut-être pas que j'y aille. J'ai plus trop de vie. Je vais y aller, au pire, et si je me fais défoncer la gueule, je me casse. Je vais sauvegarder ici. Voilà, c'est un nid de ghoul et un site d'énergie. Non, 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 voilà, parfait. On se casse. J'irai plus tard. Je vais regarder s'il n'y a pas des trucs un peu plus simples dans le coin. Il y a l'air d'avoir un trésor caché ici, je suppose. Donc on va y aller. Je ne sais pas si c'est un trésor caché, ça semble c'est une base sous-marine et tout. Pourquoi tu t'arrêtes comme ça toi? T'as vu des pendus alors. On y va. C'est des potes eux ou. Elle m'a aidé. D'accord, c'est un camp du gardien, on dirait. D'accord, on va descendre. Si vous cherchez de la nourriture, allez voir ailleurs. Essaye Andra, il est mecker. Oh putain, je vois qu'il avait dit c'est pour voir, j'ai essayé, je suis mort. T'as entendu parler de la brigade Briette? Elle était composée de 6 espèces. Les noms. Moi je pense que j'ai tout pris, de toute façon c'était pas des trucs très très importants. On va y aller par ici. Mais je sens qu'on va croiser des monstres dans le... Ça semble trop facile. On va refaire une petite sauvegarde vu qu'on est proche. Hop. Bah, là, par exemple. Voilà, il y a des trucs étranges. Ils s'appellent des noyeurs et il y en a un qui m'avère, moi d'accord. Donc autant dire que je suis un peu dans la merde. Il va me choper le pied, tu vas voir. De voilà. Voilà, donc c'était une très mauvaise idée. On va charger la sauvegarde la plus récente et puis on se retrouve après. Hop, donc on va se barrer direct, ça sert à rien qu'on reste ici. Le niveau est un peu trop difficile pour nous. Je vais aller vite fait, c'est pas un truc dans la... Non. Ce cheval, je peux pas le prendre, ça serait trop beau. Oh si, je peux. Bon bah je prends un cheval random. Et puis on va aller se diriger vers la petite ville de Bienzef. Voilà. Pour aller faire du commerce et acheter de la nourriture. Parce que sans nourriture, je ne peux plus rien faire. J'aurais dû y penser avant de faire l'épisode. Et c'est vrai que c'est un épisode que je voulais faire assez rapidement. Et du coup, ça... Ça me prend un peu au dépourvu. Mais bon, j'ai quand même de me faire un monstre niveau 7, alors ça rigole pas. Hop! Merci, cheval que je ne connaissais pas. Rentrer à l'intérieur, voir la dame et lui demander ce qu'elle peut me vendre. Il vous fallait autre chose? Oui. Des choses intéressantes sous votre comptoir? Ça dépend de ce que vous cherchez. Hop. Alors, qu'est-ce que toi? Ah, ça remet
Originaire de... Voilà, c'est cher quand même. Très cher. Merci, Jacqueline. Adieu. Et ça boit, hein, je te jure. Bienvenue. Merci. Voyons ce que vous avez en magasin. Qu'est-ce que t'as en magasin, papy? Ah, lui, il vend des cartes pour le quit. Si je dis pas de conneries. Quint. Et voir s'il n'y a pas possibilité de lui vendre des trucs, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de trucs que je me servirai plus tard, parce que j'ai pas trop le choix. Il me faut de la thune. Et au pire, on va les vendre. Quoi, t'as déjà plus de sous? Putain, mais c'est quoi ce radin là? Ok, d'accord, tu la joues comme ça, toi. Au revoir. Hop, l'autre, je lui achète deux trucs, et j'ai plus de sous. Direct, quoi. C'est pas comme ça. Alors, moi, je voulais regarder, plus 9, plus 9. Celle-ci, chance de coup critique. Et celle-ci, plus 8, bonus de dégâts critiques. Plus 4. Je vois, je pense d'afficher, c'est bon, ouais. Peut-être mieux celle-ci quand même. Épée de. Non, 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 elle me sert à rien. Pardon, de Carmorel. Botte de chasse. D'accord, en fait, tout ce que j'ai, ça me sert à pas grand-chose. Eh bien, merci. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, voilà. J'ai une nouvelle armure, je pense que vous avez remarqué, vu la mocheté du truc. Ça me fait un gros bide, on a l'impression que je suis un mec qui passe plus de temps dans la taverne que ailleurs. Et donc, tac, on va aller par là. Donc, hop, je vais retourner deux secondes dans l'inventaire pour mettre la nourriture que j'ai dans les consommables. Et puis, on va continuer, j'irai refaire des trucs quand j'aurai besoin, enfin après la vidéo quoi. Alors je me rappelle qu'il y a une femme qui m'a dit que il y avait un truc enfin une femme ou un mec a eu le bracelet. Oups, je saute dessus. C'est pas à lui que je voulais voir, c'est ici. Ah, c'était quelqu'un qui disait que le bracelet que j'avais chopé sur la femme, le démon de midi, le spectre de midi, que Tomira en avait déjà parlé. Donc voilà. Bon, on va y aller. Oh, ça y est, je peux re-récolter tout son champ. Salut. Oui? Vous avez entendu parler d'une femme nommée Claire? Elle vivait dans le coin. Si j'ai entendu parler d'elle, c'est peu dire. Claire était mon amie. La seule personne dont je me sentais proche à Blanchefleur. Jusqu'au jour où son mari, Volker, s'est querellé avec le seigneur du manoir. Toute la famille a dû quitter le village pour s'installer dans les bois. Le seigneur et ses hommes ont voulu les persuader de revenir. Ils voulaient juste les convaincre, mais vous avez vu le résultat. On raconte que Claire aurait dit quelque chose à propos de Florian, le fils du Seigneur. Mais qui peut savoir la vérité? Ça fait beaucoup de malheur pour un si petit village. Hélas, aucun village n'échappe au malheur. Mais ne nous quittons pas sur une note triste. Tenez, voilà un peu de réconfort.
Oh, merci, 8 points d'expérience. Je vais aller très loin grâce à ça. Alors, la dame est plus là, donc je sais pas si ça a fonctionné. Oui. Oh, par contre, elle m'a donné du salpêtre. Ça, c'est cool. Je vais voir si je peux pas lui vendre quelque chose. Je dois pouvoir vous trouver ça. Elle m'a filé ma stock. C'est comme ça, si je peux lui vendre des trucs, ça me fera un peu de sous aussi. Fait que je vais en vendre un. Non, je voulais en vendre qu'un seul. Du pissenlit. Hop. Du myrtille. Hop. Tac. Y'a pas des trucs qui peuvent se vendre assez cher. Déjà, je s'appelle, je garde. Que puis-je lui vendre d'autre? Argent pur. Moi, je vais le garder au cas où. Et je peux rien lui vendre ici. À part le trophée de spectacle. Ok, d'accord. Ok, bah merci pour tout. Au revoir. Au revoir. Oh, il y a un ours par là, c'est un loup qui m'a repéré. Non mais oh. Et là, en gueulant, hop, il a ramené tout le monde. Alors, c'est un épisode un peu chiant. Voilà, on s'est fait chier avec Raphaël. On va aller là-bas. Et puis on va boire de l'eau sur le trajet. Parce que l'eau, c'est bon pour la santé, il paraît. Ah, sinon ça va, la famille et tout? C'est quoi ça? Oh, encore? Il faut le piège magique. Niveau 6, ça va. Toi, tu rigoles zéro, c'est ça? Oui, toi tu rigoles zéro, toi. Hey, come on, bitch. Moi aussi je rigole zéro, non mais... Hop. Merci pour le point de compétence. Y'a rien d'autre dans le coin? Si, le spec que je me tue. Y'avait pas mal de trucs. Hop, ce qu'il y a dans le coin. Donc là y'a le site d'énergie qu'on vient de niquer. On va aller là-bas. On va y aller à patte, parce que moi j'aime bien marcher. Tu verras, comme ça je peux prendre du Shelidon. Shelidon. Oh, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça pue la merde ici. Oh, ça pue la merde encore plus ici. Bad. Communise. Oh, il y a l'air d'avoir un village ici. Si ce n'est pas un village, en tout cas, il y a quelque chose. Il y a une maison. Ah, c'est la maison où...
Est-ce que c'est la maison où il y a la bonne femme? Oui, c'est là où il y a le mec qui était décidé ici. Qui n'y est plus au passage. Ou alors même pas en fait, ça se tombe, c'est pas du tout ça. Oh, du rayon de miel! Merci. Ça fait toujours zizir. Là, il y a des coffres, mais. Voilà, il y a l'air de rien d'avoir les bords. On va remonter. Il y a une baraque ici. J'entre. La baraque qui ne sert à rien. Merci. Oui, là-bas il y a un village. Non! Je suis un gros con. Allez, viens, Blade. Moi qui ai d'habitude un bon sens de l'orientation, je dois vous avouer qu'ici j'ai bien merdé. Cinq loups, on va pas risquer, j'ai pas envie de mourir sur des pauvres loups. Donc on va aller par là. Oh non. Oh non. Bah ici il a l'air d'avoir des trucs. Oh le bat. Oh, cours, ça va péter. J'avais dit. Il est où l'autre qui tire la flèche là? Il est là. Dès que j'arrive derrière et paf! Oh la violence! La violence du truc quoi. Merci pour la soie. Merci pour tout. Là, il y en a un qui s'est fait bouffer par les. Côté, c'est quoi ça? Tac. D'accord. Rien de bien spécial. J'aurais dû faire un truc avec la ruche, je sais pas ce que ça peut faire, mais je vais faire que du bien. Pas mal de petits trucs, voilà, c'est toujours bon à prendre. Et donc là-bas, il y a un petit feu, je sais pas quoi il sert, les gens ils sont niveux. On met un feu au milieu de nulle part, on se fait plus. Hop. Et donc, oui, il y a bien un truc ici, donc on va aller voir ici. Yo, négo, t'es tout seul. Oh oh oh. Ouh, la violence! La violence du truc! Oh, merci pour l'échelle, j'aurais préféré que tu me donnes autre chose qu'une échelle, mais on va s'en contenter, hein. Je vais juste sauvegarder. En plus c'est un trésor gardé. Puis on va courir parce qu'ici apparemment ça pue un peu. D'accord, il y avait juste ça en fait. Merci pour ce trésor on va dire un peu merdique. Et on va regarder ce qu'on a un peu dans le coin. Donc on est au milieu de nulle part. Ça je l'ai fait. Ça voilà. Il me semblait avoir éloigné le danger, mais on n'y arrive pas. Donc il me reste ça à faire. Ça, là j'en ai trois. Là-bas j'ai un truc aussi. Et j'ai le truc sous l'eau là-bas. Ok.
Ok, bon bah c'est tout, on va niquer le mec que j'ai vu là-bas, tiens. Hop. Ça, c'est un oeil là-bas. On va se faire niquer par le noyeur en fait. Voilà, c'était nickel, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on recherchait en fait. Bon, ouais, c'est tout. On se retrouve juste après la petite entrave. Donc voilà, nous revoilà ici. On va prendre ce qu'il y a dans le nuage de fumée parce que nous on aime bien mourir. Un pantalon de chasse, ou ouais, des couronnes, pas des couronnes, c'est une autre monnaie encore. Alors du coup, on va prendre le cheval, on va retourner au village, et puis on va s'arrêter là, les amis. Je sais que c'est pas un épisode très très long, je sais que certains d'entre vous aiment bien les épisodes assez longs, mais c'était un épisode quand même pas mal, avec pas mal de rebondissements, surtout vers la fin et surtout au début. Et voilà, c'était assez cool. On va descendre ici, juste pour fouiller le chariot. Ouais, il y avait un objet rare. Là, j'ai peur des ombres, moi, je suis un grand con. D'une ère, Ablette. Et donc on va aller au village, puis on va se laisser sur ça. Et donc comme vous pouvez voir, on arrive bientôt... Wow. On arrive bientôt... Enfin, on aura bientôt fait tous les trucs, hein, je pense. Je sais pas vraiment s'ils vont rajouter des quêtes ou quoi que ce soit. On aura fait pas mal de trucs dans le coin. Et une fois qu'on aura terminé, on pourra continuer les quêtes principales. Voilà, voilà. Hop, 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 hop. On est au village. Voilà. Oh, il travaille. Par contre, il veut pas refaire sa maison. Il préfère dormir dans la cahute. C'est beaucoup mieux pour lui, apparemment. Usé. Voilà, du coup les amis, on va se laisser là et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et on se retrouve pour l'épisode numéro 8. Bye. Que sais-tu au sujet des négociants de grains? Ravi de te voir moi aussi. Une femme nommée Claire, elle vivait dans le coin. Si j'ai entendu parler d'elle,